Oui, bonsoir Suzanne, bonsoir Marie Abdelali, artiste peintre que j'apprécie énormément et j'admire. Bonsoir Georges, bonsoir Maria Abdelali, artiste peintre que j'apprécie encore et j'admire. Ce soir, mes amis, on est avec Maria. On va parler un petit peu de cette merveilleuse artiste qui nous dit beaucoup et qu'on admire. Bon, mais on va l'écouter. Fais pas finir de me dessiner de ce sacrement d'or. Ah ben non, mais Georges, envoie donc là, c'est comme. Où est-ce qu'elle est, Maria? On ne voit pas sa bouche. Ah ah ah, Suzanne, je suis en train de vous jouer un tour, ça achève là, si j'arrive. Waouh, c'est beau. J'adore les artistes, moi. Bonsoir, les amis. Mon nom, c'est Maria Abdelali. Je vais vous dire couscous. Je me trouve bien. Tantôt, là, c'est juste les yeux qui bougeaient, puis il n'y a pas de bouche. Oui, Suzanne, bonsoir. Bonsoir, Georges. Bonsoir, les amis artistes. Je suis vraiment très contente d'être avec vous ce soir. Bon, là on pourrait y parler. Maria, on a quelques questions que Suzanne elle va vous poser pour que nos amis artistes viennent à vous connaître. Est-ce que vous permettez? Mais bien sûr, c'est juste si vous finissez mon portrait. Je veux pas qu'on me prenne pour Edith Piaf. Mon nom, c'est Maria Abdelali. Bon, Maria, Maria, Maria. Ah, excusez. Maria, je sais, j'adore vos peintures. Je vois beaucoup de progrès depuis que le peu de temps que je vous connais. Vous avez du courage. On dirait que vous êtes autodidacte, comme j'ai compris. Vous avez des couleurs, vous avez cette lumière-là que vous nous exposez tout le temps en plein. Et vous avez cette finesse dans vos œuvres qu'on apprécie énormément. Parlez un petit peu, est-ce que c'est votre métier, c'est votre travail, l'art, pour vous, c'est quoi au juste? Écoutez, Suzanne, je suis quelqu'un qui est très timide de nature. Moi, l'expression artistique, c'est quelque chose qui me soulage énormément, comme toutes les artistes, et je ne vous cache pas. Moi, je peins de tout mon cœur. Parfois, c'est des souvenirs. Parfois, c'est par cœur. Parfois, c'est ce qui me tente, c'est ce que je ressens. Mais pour ne pas perdre trop votre temps, Georges, il va me faire un bon flip demain. Il va exposer un petit peu mes peintures, malgré que je l'avais déjà fait moi-même. J'avais fait un flip et personne ne l'a vu, personne ne m'a mis un like. Moi, j'aime ça, les likes, hein. Pensez pas que c'est juste, je suis à donner des likes, puis je ne reçois pas des likes. J'aime ça, un petit like, un j'aime. J'aime ça, vraiment. Suzanne, je suis le fiston à Georges, moi. Est-ce que vous allez regarder mes peintures? Hein, un like? Oui, je suis petit, moi. Ok, excusez-moi, Maria, je vous laisse continuer. Mais non, continuez donc. Eh bien, excusez, Suzanne, je prends beaucoup de votre temps, là. Eh bien, comme je vous dis, Georges, il va me faire un bon flip demain avec la musique à mon goût. Et ben, je vous invite à le regarder, comme ça au moins vous m'encouragez, comme je vous encourage. Je vous aime bien, je vous admire. Puis, tous les bons mots, c'est à vous.
Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou un bon jour, ça dépend quand vous m'écoutez. Mais merci beaucoup. Puis pour ce beau portrait, Georges, merci pour le cadeau. C'est pour Noël, c'est vraiment trop, je me sens gênée. Ok, tu me dis pas de bêtises, ok, c'est correct. Oui, bonsoir Suzanne. Bonsoir les amis artistes. Mon nom c'est Carole Talbot. Excusez Suzanne parce que j'ai mon affiche que j'attends depuis une heure là, puis Maria n'a pas fini. Je m'excuse Maria, mais j'ai une affiche pour une exposition bientôt. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Je vous remercie infiniment et j'apprécierai ça si vous vous déplacez puis vous venez me voir. Je vous attends. Bon, les amis, sur ça, je vous souhaite une très bonne nuit. Faites des beaux rêves, soyez sages. Puis, à la prochaine. Pour Carole Talbot, votre affiche, on va la prendre en considération et on s'excuse de vous faire attendre. Bonne nuit.